Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Me voici dehors. Il y a du soleil, il y a des hérons, je ne sais pas si on les voit. Je suis à Auvergne, au bord du lac. Ça fait du bien, vraiment. Et j'espère que vous allez bien, qu'il y a du soleil aussi chez vous, que vous pouvez profiter de l'air. J'aimerais faire une petite info à YouTube sur l'ancienne vidéo, enfin la vidéo juste d'avant. J'ai fait une vidéo en présentant ce que je fais, mes massages avec une musique au piano qui a été choisie, qui a été faite plutôt la vidéo par une professionnelle et qui a pris des musiques libres de droit. Donc, il n'y a pas besoin de me mettre une revendication de droit d'auteur. J'espère que ça sera entendu par ceux qui ont revendiqué cette vidéo ou j'en sais rien. Enfin, voilà. J'espère que ça sera entendu par YouTube et que vous m'enleviez tout de suite ça. Voilà. C'est une petite info. Donc, je fais les choses juste comme il faut. Donc, je n'ai pas besoin que vous me mettez des messages comme ça. Merci, j'espère que ça sera entendu par vous. Voilà. Et du coup, je revenais à ma vidéo. Aujourd'hui, j'ai tiré une carte depuis chez moi. Je me suis dit, je vais aller en nature. Et j'ai tiré cette carte. On voit un chat qui dort. Ça me parle de repos. On voit bien repos. Et si là, maintenant, tout de suite, parce qu'on voit que le chat bouffe à l'envers, on voit que le chat est endormi. Et si là, maintenant, tout de suite, vous fermiez les yeux et vous écoutez, je pense qu'on entend le bruit des vagues, les oiseaux, les canards. Écoutez la nature. Écoutez la nature, écoutez les mouvements de notre corps. Oh. Écoutez les mouvements de notre corps. Qu'est-ce qu'il y a? S'écouter soi. Faire une marche. Il y a un petit peu du vent. Faire une marche. En conscience, en marchant tranquillement, peut-être en fermant les yeux et en étant conscient de tout ce qui se passe autour de nous, des bruits, de l'eau. Marcher tranquillement, être conscient de chacun de notre pas, de tout ce qui se passe dans notre corps. La marche en conscience, ça peut aider aussi à faire sortir les peurs et à les guérir, à les soigner, à les contempler. Prenez conscience de chaque mouvement, lentement, tranquillement. C'est une pratique qui est vraiment rafraîchissante. Là, oui, avec le vent, c'est rafraîchissant. La marche en conscience. Et regardez, par exemple, ces arbres. Celui-là, qui a un grillage autour. C'est par rapport aux castors, parce que il y a beaucoup de castors là. Et puis, ils font leur barrage
en détruisant les arbres. Voilà. Donc prenez conscience qu'il y a autour de vous quand vous êtes en nature. Respirez, prendre le temps. Voilà, lui en tout cas il prend le temps. Apprendre à être attentif à nos mouvements, ça nous aide à nous recentrer, à nous libérer, à libérer les énergies de notre cœur. Ça, c'est magique. Et ensuite, libérer le plein potentiel de notre créativité. Prendre conscience de ses peurs et de ses limitations, de ses croyances en faisant cette marche en conscience contemplative, ça c'est vraiment indéniable. Vraiment prendre le temps. Pour pouvoir tout déconstruire et réapprendre à libérer sa créativité et sa puissance de vie. La puissance de vie. C'est un beau mot, ça, la puissance de vie. Voilà. Pendant, aussi, ça me parle par rapport à lui qui dort pendant une période d'anxiété ou de gros stress. Ben, le repos est indiqué. Et la marche aussi, aller en nature et faire cette marche contemplative en conscience. Essayez si. Si vous l'avez jamais faite, ça fait du bien, vraiment, vraiment, vraiment. Marche contemplative, le soleil, les oiseaux sur le lac. Je vous montre un peu la nature, les arbres, les arbres. Voilà, ou bien l'eau, là c'est beau. Oui, pendant une période de stress, c'est important de se reposer, faites pas de soucis pour ça si vous reposez beaucoup. Et là, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez fermer les yeux. Et il y a un héron, je ne sais pas si j'ai réussi à le filmer. Et là, ou bien vous pouvez regarder ce que je suis en train de filmer. Et vous imaginez la sensation du soleil sur votre nuque, sur votre visage. La douceur du vent. Tout léger dans nos cheveux, ça fait du bien. Les gazouillis des oiseaux, des canards. Le mouvement et l'air frais ont des effets thérapeutiques. Voilà. Imaginez ce soleil. Ou bien aller tout simplement en nature et profiter du soleil et fermer les yeux et faites-vous du bien. Ça me parle aussi des rêves. Ils sont magiques pour moi. Si nous les visualisons, nous y croyons, on peut les rendre réels, ça c'est clair. Et par contre, un rêve, si nous passons jamais à l'action, il restera toujours rêve. Alors c'est fait. Oh, je me dis rêve, espoir, ose et agis. Voilà. Personne ne peut le faire à notre place.
Par contre, on peut demander l'aide des thérapeutes, guérisseurs, soignants, masseurs, voilà, qui peut nous ouvrir des portes. Il peut nous ouvrir des portes, mais il n'y a que nous qui pouvons franchir cette porte. C'est à nous de faire bouger les choses dans la matière. Ose et agis et oser être soi-même. Et on voit sur la carte que dans ce lieu, puis même dans le lieu où je suis maintenant avec les arbres, les oiseaux, tout est tranquille. Il n'y a aucune peur, aucune. Ici et maintenant, je suis bien. Donc, faites l'expérience aussi de ici, maintenant, je suis bien en nature. Il n'y a pas de doute ici, rien que la douceur, de l'assurance. On est vraiment bien. Entre encore le lac. Tout, n'oubliez pas que tout est possible. Tous nos rêves et nos souhaits peuvent se réaliser si on ose y croire, si on ose agir. Moi, je vous dis que l'amour et le bonheur, tout cela est pour nous tous. Voilà. Tout cela est pour nous tous. Et toutes les bonnes choses viennent à ceux qui osent rêver et ceux qui osent agir. Allez, les amis, on y va. On agit. On fait les choses. Parce que personne ne les fera à notre place. Voilà. Certes, on peut avoir de l'aide, mais c'est dans l'amour de faire les choses. Que vos rêves soient réalité. C'est à nous d'agir pour que les choses restent dans la matière et soient tangibles. Qu'est-ce qu'on voit encore sur cette carte? Il y a des plumes qui me font penser aux anges gardiens, aux anges qui sont toujours là pour nous protéger. Il y a des petits chatons, donc c'est la naissance, il y a un chat qui dort. Il y a un chat tout en haut qui a les yeux un peu endormis. Il y a un poisson volant qui nous dit que oui, tout est possible. Même les poissons, ils volent. Il y a beaucoup d'eau. Il y a plein de plantes. On dirait de la lavande. La lavande qui calme. Donc, calme, douceur. J'espère que vous pouvez le faire. Essayez la marche en conscience partout où vous êtes. Et je vous dis, ici c'est magnifique. Avec ces arbres, ce soleil. Hey, bonjour toi. Bonjour. Mon petit chien qui va nous dire voilà. Alors moi je vous dis, je vous embrasse au bord du lac d'Auvergne en Suisse pour ceux qui connaissent. La vie elle est belle, oui, et ça vaut la peine de profiter, ça vaut la peine de se faire du bien, ça vaut vraiment la peine. Respirer à fond, tout ira bien. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo en nature et franchement c'est magnifique, je suis chaque fois émerveillée.
d'être un endroit de pouvoir profiter avec l'eau, les nuages, le soleil. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.